résultats, ne serait-ce que dans les élections législatives, n'est pas satisfaisant. Est-ce que c'est parce que les candidats ne sont pas populaires? Moi, je pense que, et nous avons vérifié, c'est parce que à un certain moment, les candidats ont été choisis vraiment à la va-vite. Maintenant, il y a une décision que nous prenons, on va implémenter le parti dans 5 départements. Et comme nous sommes en 2018, probablement il y aura des élections en 2019. En 2019, si Remain Haïti arrive à implémenter tête ligne dans 10 circonscriptions, c'est 10 candidats à voter. Nous ne pouvons pas voter 50 candidats pendant que nous connaissons pertinemment dans 50 candidats, grand pile là que nous ne connaissons, nous ne pouvons pas travailler avec, nous ne pouvons pas avoir popularité. Maintenant, c'est ensemble de décisions que nous prenons qui désormais mettent nous aujourd'hui à la pendant ma parole voilà, nos dynamiques de préparation, nos feuilles de route, qui prend le public pour dire mais qui ça n'a fait tel mois, mais qui bon à pied, mais qui bon à pied, dans la dynamique pour que nous menions parti vers ça, nous et la modernité. C'est toujours une plateforme, mais vous n'avez pas. Non, nous sommes un parti parce que depuis après la dernière élection, on a entrepris les démarches légales et qui fait que aujourd'hui, on est plutôt un parti politique au lieu d'être une plateforme politique. Ça t'avait dit, tu es un ensemble de structures de nous, certainement pendant l'élection. Certainement. Ça ne fait avec structure ça. Et il y a une structure qui, la majorité de structures au fond de la nous. Ça okay. Veut dire que c'est des structures, parce que structures représentées par des mounes. Donc automatiquement que les gens sont d'accord que l'île dans le directoire là pour occuper aux fonctions et puis la structure va être mise de côté, on est d'accord. Mais tout, nous gagnons nous deux structures qui étaient quittées nous depuis avant la reprise des élections présidentielles. Donc ce qui fait qu'on n'a aucun problème aujourd'hui à fonctionner comme parti politique. Alors José, est-ce que l'idée pour nous structurer tête, c'est par rapport avec l'expérience d'une élection ou bien par rapport avec dynamique de financement parti politique? Non, c'est pas par rapport à dynamique de financement. Financement rejoint nous dans route. De pas oublier que ça m'a expliqué là son bagage qui commençait au lendemain et du 20 novembre 2016. Et le noté commencé là, nous dit tête nous faut que nous structurer tête nous. Maintenant pendant nous dans dynamique réflexion, nous réunis deux fois par semaine, n'a regardé qui formule qui méthode. Entre-temps, on a reçu une invitation de l'exécutif qui dit nous on va garder comme on est capable de faire pour nous participer dans l'institutionnalisation des partis politiques. Maintenant, l'un à l'autre, il y a un cadre légal qui supporte ça, nous-mêmes, puisque mon cadre légal, ce n'est pas on allégeance que l'exécutif l'a demandé nous, c'est pour faveur exécutif l'a fait nous rentrer dans le processus là. Maintenant, financement, ça certainement, dans une certaine mesure, lié de nous implémenter mieux et plus rapidement ça que nous avons fait avant, mais vraiment, c'est par rapport aux derniers résultats et par rapport aux anciennes approches, aux anciens procédés de fonctionnement que parti a gagné, que nous estimons qui pas baille les résultats escomptés, nous décidons de rentrer tête dans une dynamique de restructuration pour nous capables de gagner de meilleurs résultats et occuper au mieux et certains espaces de pouvoir. Combien compte Remain Haïti, Jean? Remain Haïti est gagné sur l'année 12 millions de gourdes, et ce qui nous fait 1 million de gourdes par mois. Comme on a donné à tous les partis un financement pour le loyer de 100 000 gouttes, ce qui fait le premier chèque qu'on a reçu en janvier dernier, c'est un montant de 3 300 000 gouttes. Ça nous fait mal. Ok, ce montant, puisqu'il y a 300 000 gouttes pour le loyer, nous autres, nous avons déjà un loyer qu'on payait tous les mois. Mm-hmm. Donc, nous juste compléter comme ça, nous continuons à payer le loyer. Nous, et comme ça, c'est le même jour qui a été nous implémenter. Pas oublier, nous avons une feuille de route. On va implémenter les coordinations. On est en train aujourd'hui de modifier notre plan stratégique, de revoir notre guide du membre. On est en train de regarder le manifeste du parti par rapport à notre idéologie. Tout ceci, c'est le package qu'on va donner aux éventuels à tous ceux-là qui vont vouloir intégrer le parti. Il faut que nous avons un package en termes de contenu idéologique pour nous remettre nous ça. Mais tout, quand vous allez implémenter une coordination dans le département de la Tibonite, par exemple, il faut avoir une mission, il faut avoir un local. Donc c'est à cela que l'on va utiliser, et qu'on est en train d'utiliser, et qu'on va continuer à utiliser le financement public qu'on a reçu. Bah, ça dérange vous parler de ça parce que c'est l'argent. Non, au contraire, j'ai été dans le processus depuis le début, je suis toujours très à l'aise pour me parler de ça, puisque moi, au timon des affaires, et je me toujours dit, chaque fois que je parle de lui dans la presse, on m'a dit toi, on m'a dit que je gardais, je sentais qu'il y a plus de pression sur le parti pour nous plus bien utiliser comme là, pour nous bailler de bien meilleurs résultats, de façon à ce que le niveau en septembre prochain, nous remettre le rapport là, parce que nous disons, nous, si l'argent, ça, c'est. On teste si a passé par ces politiques que nous-mêmes, Remain Haïti, n'a pas passé le test. Non, mais bon, pour 3 premiers mois, est-ce que mon rapport est déjà disponible pour gérer? Non, le rapport qu'on demande, pas oublier, nous sommes en matière de financement public, le rapport, c'est un rapport annuel. Le montant qu'on donne, c'est un montant mensuel. Maintenant, comme on n'a pas donné octobre, novembre, décembre, on a donné les 3 derniers mois en janvier. Mm-hmm. Maintenant, ce montant-là va être utilisé puisqu'on ne l'a pas donné à temps.
on va devoir l'utiliser aussi par rapport à nos activités. Et le rapport que nous avons pour nous bailler là, c'est un rapport de tout le montant qu'on doit recevoir pendant l'année. Mm-hmm. Donc, l'état est très difficile pour nos partis politiques à remettre des rapports financiers tous les mois. Donc, comptable là, pour faire ça, ou bien de activité ou bien qui est en cours dans le mois pour finir. Donc, et nous étions d'accord sur ça que le rapport sur le financement n'a pas remettre chaque année. Et comme de fait, la loi sur le financement, la formation et fonctionnement, lui exigeait que les partis politiques soumettent un rapport à la fin de chaque année fiscale. C'est ça, mais il y a des formations politiques, pour moi, que sur le financement, ça a éclaté. Il y a des gens qui ont même couru qui ont des formations politiques, qui n'ont pas d'accord, dit que je crois que l'argent s'est utilisé à d'autres fins. Pour MIT, c'est pas le cas. Et nous-mêmes, au niveau de MIT, c'est pour un coup de tête que nous avons fait. On nous réunit, là, nous recevons l'aide d'invitation, on nous réunit pour que nous disions, ils ont invité nous, l'exécutif a invité nous, est-ce qu'il y a une opportunité pour ça? Pas oublier que l'invitation est venue 2 jours après une manifestation qui a fait un pile casse dans Bordeaux-Prince. Et me songer, immédiatement, le processus ça a fini, ou bien le lendemain, 3 jours après, je devine nos émissions là, nous avons parlé de questions et manifestations. Ça. Nous avons analysé la conjoncture là. Est-ce que le président ou l'exécutif là, ce n'est pas parce qu'il y a une manifestation qui fait inviter les partis politiques? Nous disons, nous, comme il s'agit d'une invitation, peu importe la motivation, nous avons parlé pour nous une bonne foi exécutive. Et le niveau Noël, la question c'était l'application d'une loi qui a été votée par les deux chambres et publiée dans le journal Le Moniteur. Puisque c'est une loi qui n'a pas appliqué. Moi-même, moi, son parti politique. Nous sommes d'accord sur lui, mais c'était une volonté du parti. Ce n'est pas de volonté de Georges Schmitt en tant que membre du directoire, ni la volonté de Médecin en tant que président. C'était la volonté du parti. Le directeur s'était réuni pour prendre cette décision. Mm-hmm. Alors que, dans le conseil de l'autre structure politique, vous avez comme impression que vous n'avez pas tant de sous participation ou non dans le processus. Là. C'est ça que fait nous-mêmes en Haïti. On est conscient de l'enjeu, on est conscient de pièges qui tendent sous tête un parti politique en termes de financement. Mais c'est conscience ça que nous gagnons de réalité qui fait que, jusqu'à présent, on est en train d'utiliser le financement à bon escient et nous très à l'aise, nous sommes un livre ouvert désormais en ce qui concerne le financement public et on est prêt à fournir parce le rapport. Parce que c'est l'argent pas nous qui... Certainement, c'est l'argent des contribuables, c'est l'argent de la population et c'est un test aussi qu'on passe aux partis politiques parce que un parti politique c'est un gouvernement en devenir à un groupe femme qui a envie de diriger le pays. Si vous n'avez pas qu'à gérer 3 millions de gouttes que vous avez pour fonctionner, comment vous allez faire gérer tout ça pays a gagné comme ressource l'arrivée au timon des affaires. Donc nous-mêmes, nous prenons vraiment dans le sens positif et on n'a aucun problème. Et nous sommes sûrs à la fin de l'année fiscale, mais Haïti sera très à l'aise à fournir le rapport. Mm-hmm. Et ça fait avec nous qui croit que l'agence a déjà fait notre bagaille. C'est une opinion politique. C'est une opinion politique. Et peut-être que les gens qui disent l'agence a utilisé à d'autres fins, ils ont une sensibilité, mais moi-même, en tant que dirigeant et responsable de parti politique, ça que seulement c'était la loi. L'homme dérivé dans le palais national, même quand il a introduit et réunion, et les gens qui ont parlé a dit que aujourd'hui nous réunir pour nous garder comment vous nous faire pour nous appliquer la loi. Qui loi? On loi que sénateur a voté, député a voté, président publié. Ou qu'a dit me sauver, mais moi pas ni en dehors de la loi. Et ça qui était intéressé moi-même à l'époque, est-ce que financement ça pas demandé pour qu'on y a fait même bouchement sur sa exécution va faire. Il n'a jamais été question. Et je dis à nous, même en tant que parti, nous dans le financement, mais ça ne va pas empêcher que nous avons une position, nous, des fois, qui pas aller à part exécutif là sur des sujets d'intérêt national. Donc, aujourd'hui, nous n'avons aucun problème. Oui, nous avons aucune raison, mais nous-mêmes, nous sommes dans la légalité et c'est cette légalité qui nous. Mais pas questionner tout, pour que ça, c'est qu'on y a exécution choisi. On a fait tous ces questionnements et bien avant. Et moi-même, moi, songe à l'intervention que je fais au Palais national, je dis, président, le seul déficit que votre décision de mettre ensemble les partis politiques pour les financer et autres, c'est que les vini directement après 2 journées de manifestation violente. Il y a un monde qui a dit que c'est pour calmer les ardeurs. Mais peu importe le cas, puisqu'il s'agit de l'application d'une loi, nous-mêmes au niveau de MIT, on est prêt, tout autant que nous étions dans l'application de loi, tout autant que nous ne demandons pas certaines allégeances. C'est ça qui te boussole nous. Et jusqu'à présent, Mbako, ni dans les couloirs, ni officiellement, recevons une motivation, une observation qui dit que je deviens un financement, je tel bagage, je ne mettre pas fait. Donc c'est ça qui guide nous. Le contexte, oui, ou capable de analyser ou faire sous lui, mais nous-mêmes, Rémi Haïti, ce qui nous guide, c'est la loi. Et c'est la loi, ça, même, je dis, que nous prenons, nous analyser en tant que parti, dans le même processus-là, nous demander qu'il y ait de bagage, il faut amender là-dedans. Parce que la question, Sergi, nous permet, ce n'est pas financement. La question, c'est financement et institutionnalisation. Et institutionnalisation, lui-même, il va pas faire sur une année, il va faire sur le long terme. Et l'autre bagage qui est intéressant, pour capable institutionnaliser le parti, l'OA n'a pas qu'à côté de l'équipe faille.
Par exemple, loi pas dit les partis politiques là dans l'élection. Si aucun des candidats flagrant délit pour sanctionner. Non, loi dit de bouger député à financer. Et ceci par quel que soit moi ou bien député ou bien l'argent. Nous même comme parti nous dit mes amis, j'ai élection au passé dans le pays ça, nègre les âmes, nègre plein bureau. Et puis pour loi pas mettre balise, nous mandé faut que loi ça gagne des balises pour sanctionner parti politique qui au même pensé que le fait que ou bien les amis ou bien l'argent ou bien tout une série de bagailles qui pas utilisé dans l'élection pour gagner l'élection parce que l'objectif c'est de gagner. Donc la presse ou bien l'opinion publique plus focus sur financement. Et il n'est pas une question de financement seulement. Mm-hmm. Ils sont question de financement, mais aussi institutionnalisation des partis politiques. Comme ou pas qu'à ou institutionnalisation, son bar qui a fait, qui pas qu'à fait jeudi ni demain, mais qu'à printemps, il n'y a pas parlé de lui. Nous-mêmes, c'est institutionnalisation qui plus intéresse nous. Nous prenons financement pour nous permettre institutionnalisation, ça fait, mais jeudi, ce n'est pas le financement qui est la chose la plus importante dans ce processus. Maintenant, nous recevons un premier chèque pour 3 mois. Vous recevez le chèque encore? On n'a pas encore reçu de chèque. Le premier chèque qu'on a donné, c'était un chèque de direction. On nous a dit que le deuxième, le troisième, le quatrième, etc., c'est le ministère des Finances qui prend le gamble by chèque ça au nom du parti. Jusqu'à présent, on attend. Et nous autres, ce n'est pas le financement qui est notre motivation. Donc, on n'a pas appelé pour dire où est le chèque. On attend. Et l'État haïtien, on attend le ministère des Finances pour les prochains chèques. Bon, militaire, vous comprenez de ça? Oui, mais les militants ont choisi un directoire pour diriger le parti. Donc, le directoire s'est réuni. Pas oublier certaines décisions que nous avons prises au niveau du directoire national. Là, même les barrières ont consulté tous les militants, mais nous consulter nos responsables départementaux, les coordonnateurs, par exemple, qui nous disent voilà la décision du directoire. Donc, si un membre par la presse tant de tel bagage, vous avez à lui dire voilà pourquoi le directoire a choisi de faire ça, parce que ou pas de capacité pour en tant que directeur. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez un mandat, son mandat au bas directoire là, pour prendre les meilleures décisions pour mener à bon port le parti. Vous dites que vous travaillez pour nous présenter dans 5 départements. Oui, et on va implémenter dans 5 départements. Voilà ce que je veux dire pour mon cap et garder nous capables de comprendre. Et lorsqu'on parti politique aujourd'hui, on dit que vous avez une discoordination. Discoordination qui fait qui ça? Est-ce que discoordination, ça a une mission? Est-ce que vous avez des agendas de formation pour les membres? Est-ce que vous avez une méthodologie pour recruter l'autre membre? Nous disons que c'est comme ça que nous voulons partir, nous, et son parti moderne. Ça veut dire que nous avons une coordination plateau central. 6 mois après, il faut le dire, mais qui commune pour coexister, mais qui est identifié dans la commune, ça, mais qui j'en a possible. Donc, il faut un plan sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Et pour faire ça, il y a des ressources humaines d'abord. En vont jouer nos nègres, on femme, on groupe de nègres, on groupe de femmes dans le département qui prêt pour faire construction ça avant, ou un phénomène qui traverse le pays aujourd'hui, tout le monde sous coup. Il n'est pas facile. Et remet Haïti, nous victimes de lit. Ou une base de données qui a 40 50 000 personnes, mais pas qu'à mobiliser 10 000 parce que c'est 40 à 50 000 fantômes. Qui moun qui boit fantômes, ou son nègre côté fait confiance dans une commune qui boit 500 moun, mais 500 c'est 50 qui y a la donne. Qu'on a fort changé approche là. Maintenant, pour capable suffisamment de contrôle, il faut être tout moins activité. C'est pour ça que nous choisissons 5 départements qui sont là, c'est bonite, le nord, le plateau central, la Grand-Est et le sud. Dans ces départements, on va mettre les premières coordinations et graduellement, on va aller aux autres départements. Certainement, ce n'est pas des coordinations qu'on va créer sur du néant. Gagner de embryon là, je dis à nous allons renforcer et bah ou des missions, bah ou des plans pour que nous capables. Est-ce que coordination ça performant, est-ce qu'il pas performant, qui ça a besoin comme support, qui ça nous est supposé faire que nous pas de faire pour que nous capables permettre parti à vraiment exister dans la périphérie, parce que aujourd'hui voulant être un parti moderne, c'est pas arrêter pour nous prendre sur le directoire chaque sac passé là au brin radio commencer jouer, alors que l'arrivée là c'est Mac ou bagne 2 monde, ok, ou bien sous ou bien 500 monde c'est Mac, l'arrivée c'est Mac ou à mobiliser 10 là dedans. Nous même remet Haïti nous vraiment bah ça vraiment et pas acceptable en tant que parti politique, base de données bien garnie, mais sur le terrain vous ne pouvez pas mobiliser les membres. On a changé ces pratiques et c'est pour ça qu'on a choisi 5 départements pour nous capables d'implémenter des coordinations. Vous pensez ça que le fait que nous prenons bien là-haut pour l'attacher effectivement? Certainement, parce qu'on va le faire sur le long terme. On était dans une dynamique électorale, lors de l'élection où tu as besoin de monde de côté. Mm-hmm. Par exemple, lors de l'élection besoin de coordination dans chaque commune. Lorsqu'il faut joindre 2 monsieur ou bien 2 madame, on dit mesdames, ma permettez-nous dans la coordination. Même si vous êtes dans l'autre parti, vous ne pouvez pas dire non. Parce que vous avez une élection, il y a possibilité de faire l'argent qui est venu. Vous avez un bon moment. Mais qu'on y a, l'homme pral, par exemple, monte en coordination, je ne vais pas monter en coordination pour mal dans l'élection, je vais monter en coordination pour implémenter le parti politique. Mais avec toute documentation, guide du manifeste, plan stratégique, nous dit coordonnateur, voilà, on a une coordination.
coordination ça va dire mais qui ça qu'a fait dans 6 mois dans 1 an et nous même n'a dire mais qui ça mais qui gens nous voulons avancer pour nous capable progresser et dans le temps ça crive c'est précarité il faut faire mon réflexe ça certainement et je dis pas bien une dynamique de financement mon n'a toujours gagner même réflexe ça voilà et ben c'est mon n'a toujours gagner même réflexe ça mais nous même nous te prendre un piège là parce que nous te voulait aller vite et nous devons gagner pile monde non titan tout coûte je dis à nous par là nous pas voulait aller vite parce que nous connaît dans un pays comme Haïti. Bon, bon exemple, Sergine. Aujourd'hui, nous sommes d'accord que pour un monde vivement partial, le processus prend 3 mois. Pour venir, d'ailleurs, nous ne quittons pas venir, nous inviter de 4 secteurs particuliers, nous faire audience, nous présenter au parti à l'idéologie, nous remettre au manifeste, nous remettre au guide du monde, nous remettre au plein, et puis, nous tourner pour nous dire, ça me saute lié là, ça me t'aide intéressé, mais je veux être membre. Et pour membre, tu paies à la rentrée ta cotisation annuelle. Les cotisations, les gens pensent que c'est un paquet d'argent. Mais symboliquement, les gens ont besoin d'un code de membre de Haïti. Ce n'est pas un bagage comme si on a bail pour nous montrer que 500 000 personnes dans la rue avec un code de membre, mais pas 200, pas 100 là-dedans pour nous. Donc ça, il faut vraiment lucide en politique pour faire, parce qu'il y a la mise en scène en politique qui prime généralement sur la réalité. Et nous autres, en tant que parti, nous voulons pas laisser tomber la mise en scène, mais vraiment gagner ça nous relaie. Parti a qui existait vraiment sur le terrain, m'a capable venir là m'sou Sergino dans grandeur m'fort dans la Tibonite m'beaucoup fort dans l'ouest m'pas fort m'pas ca venir m'sou m'son parti m'fort dans tout pays a et puis wala élection ou pas ca faire 50 000 voix li pas gain sens parce que ou gain 4 à 5 millions moun qui ca voter dans pays a donc on parti qui rive gain 200-300 000 membres supposé qu'a l'élection pour le faire poids mais avant gain 200-300 000 membres blancs. Ce n'est pas un jeu, ça prend du temps. Et c'est pour ça, moi, même comme jeune garçon, je suis vice-président, parce que je ne suis pas dans pété courir. Je ne suis pas vraiment en urgence, parce que mon cher, je ne suis pas le temps devant là, il y a suffisamment de temps. Et rentrer dans la modernité politique, je parle à là, nous d'accord que son bagage est prend temps, et on est prêt, au niveau de Rémi Haïti, à prendre le temps qu'il faut pour arriver à l'objectif fixé. Nous avons structuré tête, nous, je dis à qui vient présence Rémi Haïti dans le pays. Pas seulement en fait. Nous Port-au-Prince, nous plus facile de nous garder, mais dans le reste pays, à qui j'ai présenté. Oui, dans le reste pays, on a récupéré ça pour nous récupérer. Par exemple, dans tout département de Bola, on a accepté de des coordinations. Mais, quand je suis là, dans la coordination, ça n'est pas évident qu'on ait tout le monde qui est attaché à vous parce qu'on se perd des élections. Il y a des gens qui viennent à vous parce qu'ils ont dit mon cher médecin, son gros candidat qui a gagné ou pas gagné. Nous avons décidé la bonne vague. Maintenant, faut... nous avons fait le diagnostic là. Donc, je ne vais pas la voir. Nous avons fait, nous connaissons dans le département qui s'accrétait, je dis, comme un brillant de coordination. On va les renforcer. Et 5 départements, ça aussi, après analyse, que nous estimons que, en termes de démographie, mais aussi en termes de ressources humaines, c'est là que nous avons les meilleurs éléments. Et c'est pourquoi c'est avec ce département là qu'on va et redémarrer. Et ma... du tout, nous, Rémi Haïti, comme pilier la jeunesse, nous avons formé près de 5 à 10 000 membres, jeunes surtout. Yo sous base de données, mais je dis on pas qu'à mobiliser au même problème non. Lors monter sous base de données, on aurait les 50 jeunes ou joindre 5 ou 6 parce que soit numéro de téléphone n'est pas bon, monde qui était bas ou là, maintenant faut nous filtrer base de données ça pour si nous était à 2000 pour nous connaître 2000 vraiment nous était sur le territoire national. Donc c'est à cela et c'est dans la dynamique ça nous aujourd'hui hein. Et ça fait m'pas dire mais Haïti gagne tant membre parce que pour me dire gagne membre force base de données bon aujourd'hui nous d'accord que base de données a grand pile bien là-dedans, c'est pour ça que on va pas donner des chiffres. Alors logique argentin pas rentrer là-dedans encore dans Haïti. Nous ca toujours prendre nos argentin parce que gagne pas ou pas casser tout bagaille mais n'a prend le plus de précautions possible. Pour que si mon membre, si mon coordonnateur départemental, son coordonnateur, c'est pour employer comme bien. Un parti politique, ce n'est pas une entreprise ou pas un job là-dedans. C'est vrai, il y a un parti politique, il faut arriver à créer des opportunités. Mais si le premier responsable là, quoi son job là, fait un message, nous ne pouvons pas faire un message. Oui, c'est l'idéal. C'est l'idéal, ce bon là. Oui, voilà, mais il faut être dans l'idéal. Il va pas que gérer l'enterrement, puis une fois. C'est obligé de mariage, oui, c'est obligé d'entrer l'école. Mais voilà ce que je veux dire. Les ministres sont venus là, là peut-être non, non, là, ça c'est accompagnement à Mamblas. Tout parti politique qui voulait fort, faut qu'il fasse ça. Faut qu'il intervenu dans le secteur femme, par exemple, pour garder est-ce qu'on est capable de permettre aux jeunes de crédit, etc. Mais ça me le dit, si mon coordonnateur dans le département, il n'y a pas qu'à son job la favem. Si son job la favem, pas besoin de gagner juste dans le département. Donc, ça toujours battre pour le Kembe coordination, hein, parce que lui-même, c'est job pas là. Alors, ce que coordination supposée, on série de leaders qui voulaient faire politique dans le département, qui voulaient émerger et puis qui disent Rémi Haïti, c'est le parti dans lequel nous voulons militer et puis nous avancer. Mais est-ce que je vais me poser des questions pour que ça, mon Dieu, dit, faire politique en Haïti? Et
Je dois vous dire que hier, moi, j'ai reçu un jeune étudiant en sciences politiques qui a fait un travail comme ça. Motivation des jeunes ou bien des Haïtiens pour faire de la politique. Mm-hmm. C'est une étude scientifique que nous-mêmes, au niveau de même Haïti, on n'a pas encore fait. Et malheureusement, et jeune, ça a dit, lui-même, c'est dans le cadre de mémoire de licence. Et je souhaitais que monsieur récupère vraiment de, un peu d'informations pour monsieur dire aujourd'hui à qui ça a motivé. Moi, je me suis demandé pourquoi ça me fait politique. Je me suis dit, monsieur demandé pour les jeunes ne pas faire politique. Mais c'est dit monsieur parti politique ont trois fermes sur eux, même parti politique ont une perception que c'est propriété d'un monde, etc. Mm. Ça c'est des compréhensions, mais étude monsieur va le faire pour permettre que monsieur ouais aujourd'hui, mais qui ça fait monsieur peur rentrer dans le parti politique. Et c'est ça que fait nous même au niveau de Remé Haïti aujourd'hui, on est un livre ouvert. C'est Gino mais non campagne systématique de communication. M'a invité monsieur venir dans le parti comme si m'était dans campagne électorale. M'a obligé dans cette campagne électorale pour mal parler aux populations. Faut me parler à monsieur pour me dire mais idéologie, mais qui bonne vlale. Est-ce que le parti s'intéresse pour vous? Et m'a pas capable de lire, moi-même dans d'autres sphères d'activité, les demandes sont légion. Cap dit, monsieur Jean-Baptiste, nous t'arrêtons de venir suivre à Haïti parce que ce soir, c'est intéressant. Ça n'a jamais existé avant. Mm-hmm. Donc, nous pensons que parti politique, tout quelque part, c'est fermé sous vous. On ne prend pas parler à attendre l'élection qui fait que nous peut rentrer. Parti politique est beaucoup plus attractif. Et je vous dis à Haïti, nous prenons les devants. On va communiquer systématiquement avec à la population. On va inviter aux vins sur formation, aux vins sur réunion. Et nous allons ouvrir officiellement en séance qui est les rencontres avec les cadres. On va rencontrer tout le monde dans le pays pour nous présenter l'idéologie. Même si ce n'est pas pour nous, mais au moins on connaît que Remé Haïti, on l'a rencontré ou qu'on est qui ça la fait, qu'on est dans qui ligne, etc. Parce qu'il faut attendre l'entendre des réactions de quelqu'un qui a fait politique. Ou plus soit, c'est estimé son bagage qui a aidé. Je ne suis pas pour bouger les têtes. C'est comme un salut. Oui. Et par rapport avec la réalité économique du pays, mm-hmm. Et, mais question idéologique, je ne vais pas aller là. Oui, c'est son aspect. Nous sommes dans la société, nous ne pouvons pas mettre de côté les faits sociaux. Mm-hmm. Et nous d'accord sur son aspect, mais ce n'est pas ça que tu as dit, ce n'est pas ça que tu as dit. Et ceci, ce n'est pas seulement en Haïti. Et la crise des partis politiques, moi-même, je suis ça qui se passe en France dans les mm-hmm. dernières élections, où est-ce que ça crivait le Parti Socialiste. Je veux dire, ce n'est pas seulement en Haïti, une grande démocratie comme la France, garder ça qui a privé les partis politiques. Ce n'est pas en Haïti pour nous commencer à culpabiliser tel pour nous dire bon c'est fini. Moi-même, moi pense que il y a moyen de récupérer. Il y a moyen que les partis politiques fait l'autre travail. C'est pour ça, je vous dis, nous-mêmes en tant que partis politiques, j'ai reçu une invitation de l'OPL pour son congrès national. Vous comprenez? J'ai reçu aussi une invitation de l'équipe de l'autre parti politique qui a fait des réflexions sur des sujets. Nous-mêmes, Remé Haïti, nous avons invité des partis politiques parce que nous avons réflexion à faire sur le budget rectificatif. Parce que quelque part, là nous avons élection, mais là nous avons élection, c'est le même pays à nous. Plus son parti politique fort, c'est plus la faire une meilleure perception des autres partis politiques. Mm-hmm. C'est comme ça que nous pensons que nous devons aller, même si tout le monde a dit je suis dans l'idéal, c'est dans l'idéal là. Même bouillé, et puis pour capable de tout comme challenge, essayer au maximum d'adapter l'idéal là à la réalité. Ou par exemple, l'autre pays, je veux dire, on a tout, on a voté, on a voté. Certainement. Ou par exemple, Macron, ou par exemple, Donald Trump aux États-Unis. Regardez tout en Haïti, en pile fois, et on n'y a pas trop formation politique de mm-hmm. bon oeil. Mm-hmm. Et depuis, nous avons adopté la Constitution 87 là, les gens qui sont président pays, ce n'est pas forcément des gens qui n'ont milité dans aucune structure politique. Oui, nous sommes conscients de ça aussi. Et nous n'avons pas besoin d'aller en France ni aux États-Unis, mais Haïti même, c'est un cas d'espèce. Et si nous prenons depuis nous bien président dans le pays, le président Aristide son prêtre, président élu démocratiquement, président Aristide son prêtre, Préval son équipe dans l'activité, le président Martelly chanteur, président Jovenel Moïse entrepreneur, il n'y a pas de gens qui militent. Il n'y a pas de gens qui alliés, des amis dans cette classe. Il n'y a pas de gens qui font politique. Il y a des gens qui font 25 ans la Kabou, mais pour politique, exister pour démocratie, il n'y a pas arrivé président. Son faiblesse des partis politiques. Et moi-même, c'est ça que fait aujourd'hui, moi non campagne de charme. Aujourd'hui, m'a invité deux mounio dim qui crédit vin dans Haïti. Sous crédit vin dans Haïti. Moi-même, comme jeune garçon, je gagne 4 ans dans le parti. L'homme tente que moun qui dit à mon cher de pour entrer, blablabla, l'autre se venant ou al bo tout de suite. Jusqu'à présent, je reste attaché à mes valeurs. Et parti a pas jamais fait mal fait des bagailles qui en dehors de ça m'a quoi comme moun. Donc, quelque part, moun qui dit c'est de bon moun, c'est de moun crédible, ou ka fait politique, eh bien, on a cherché. Plus ou gen bon moun ka fait politique, plus ou ap capable d'influencer l'autre bon moun. Et puis là, ça, moun ka dit, quête, si monsieur nan parti ça, son bon parti, eh bien, à ce moment, ka changé dynamique là, ou capable permettre que ces partis politiques yo qui permettent moun yo arriver au pouvoir. Mais m'a dit, on l'autre bagay. Allez-y. Président de la République, yo, certainement pas arrive pas sauter dans le parti, mais député sénateur, yo, toujours arrive sauter dans le parti. Je pense que quelque part, puis nous pensons pouvoir, le dit président seulement.
les députés, les sénateurs, pour moi-même, je dis jusqu'à présent, majorité dans eux, c'est des dirigeants, des membres influents de partis politiques. Ça qui passe, qui fait qu'on y a, ils ont le pouvoir dans eux, ils vont arriver à faire équilibre là. Je ne sais pas pourquoi. Donc, nous-mêmes, nous conscients de la réalité, qui est-ce qui peut changer les bagages là? C'est nous-mêmes encore. Et comme une mauvaise perception de parti qui fait que bon une partie politique c'est bah mon pas entrer là-dedans, moi-même c'est moi pour dire quantité de pression que me subi l'homme pral porte-parole dans l'élection. Zanmi k'ap di nan ki tèt ou ap rentre la bay politique ici mais nous mais je suis rentré et me sorti j'aime te rentrer là et je dis à moi pas gagne ken regret et me tellement pas gagne regret je continue à militer aujourd'hui je suis vice-président du parti. Et m'a invité un paquet l'autre monde femme diaspora de ressources humaines intéressantes dans diaspora qui ont de belles idées on pense remettre c'est pas pour le filer yo nous pour le filer yo nous pour demander pour intégrer partir pour prendre responsabilité pour venir des dirigeants de façon à ce que le nouvelle idée ça au que on porter le vini moi même qui pas gagner l'idée qu'il fallait pour nous te faire le bon qu'il faut et ben nous joindre l'idée ça parce que nous gagnons un bon monde donc c'est ça la bataille aujourd'hui mais ça crée toute population qui vient pas fin faire monde politique qui confiance parce que en pile fois il y a l'élection on nous vient filer aujourd'hui hein. Et puis yo ba possibilité pour aller mener bac pays a résultat c'est ça oui à condition la vie ou pas améliorer oui. Et qui ne fait que mon yo cette déception en déception je suis d'accord parce que généralement la plus grande campagne de communication entre les partis et la population li fait leur élection pas qu'une possibilité pour juger un discours politique en temps électoral. OK, alors ce que je dis, tout le monde a jugé ça m'a dit. Sergino l'année prochaine à 7h l'homme vient là m'a dit clairement mais ça remet Haïti bien comme structure. Parce que m'a dans élection, m'a venir faire promesse électorale là. Moi en train de dire mais qui j'en parti à implémenter. Mais si vous veut faire ça, population pas imbécile. On pense population pas suivre parti politique, on pense population pas suivre moi. Il a suivre moi comme jeune garçon dans parti, il a pas est-ce que m'a venir non dynamique traditionnelle, même j'ai tout l'autre nèg dans parti au grand titre pour être là ou pérenniser gérer tout et puis tout bail fini. Je dis c'est pas la nouée. Moi en deux dans parti comme jeune garçon avec toute l'autre collègue dans le directoire là nous gon côté nous braler et nous voulons prouver que nous gon côté nous braler pas dans moment élection mais là tout faut exercice démocratique là commence en information politique certainement que élection fait à temps certainement parce que bon ensemble de structure politique ici chaque fois dit on mon avrel oui l'associer au monde oui. C'est comme ta cap c'est monde là qui se structure nous d'accord de ça et nous tellement d'accord de ça remet Haïti bon pas parler nous très nous plus démocratique que tout le monde mais on est très démocratique. Pour me venir vice-président, pas oublier que j'étais porte-parole depuis les élections et après l'élection, j'ai toujours été comme porte-parole. Là, nous allons faire élection pour le directoire. Moi, j'ai deux personnes dans le parti qui étaient grand-papa, qui ont une expérience politique que beaucoup ont. Mais en dedans parti, tout le monde était unanime que Joshmi Jean-Baptiste, c'est un bagage que le porter pour le parti, que nous d'accord, malgré sa jeunesse qui fait partie à bien, nous pensons que. Faut que monsieur occupe en fonction de responsabilité, faut que nous d'accord, c'est pas parce que monsieur jeune non mais parce que il a une capacité à moi-même c'est pas moi non qui t'ai d'entrée je t'ai couru dimanche vice-président. C'est le cadre de la partie qui t'ai dit yo estimé que dans moment Joshmi serait un vice-président pour le parti, il a un très bon vice-président. Pour moi-même pas gain meilleur exercice démocratique que ça parce que moi sous t'a demandé mais est-ce que volontairement t'a pas du mon cher si me ça t'a bloqué, me peut-être qu'a pensé au cas bloqué mais pas bloqué et je dis à n'importe monde qui voulait viennent suivre réunion et Haïti d'ailleurs nous ouvrir réunion directoire quelquefois au grand public ou capable décider comme journaliste venir suivre réunion directoire pour qui j'en nous posséder. C'est très démocratique. Médecin qui est jusqu'à présent le leader symbolique, Médecin n'a jamais eu le dernier mot dans le parti. C'est toujours la force des arguments qui priorise une décision sur une autre. Donc pour moi même c'est tout ça autour qui fait plus ou moins à l'aise. Lorsqu'on m'a parlé de Rémi Haïti, c'est un bar que je connais. Et m'inviter tout le monde qui dit ou son bon monde, viens essayer et militer là, et puis ouais, comment nous-mêmes nous capables de faire pour nous faire effet domino. C'est ça. Là tu as parlé de par exemple, député, on dit un peu de député sénateur, c'est des gens qui sont dans des structures politiques. Mais il y a des gens qui ont dit, un peu de la formation politique, qui n'ont pas un crash suffisamment sur le terrain, qui compte faire que ce n'est pas parti à voter. C'est moun na vote. Certainement. Comme moun c'est il gombagne, il tout passe, bagnia tout passe tout, mais en pile fois député sénateur vinn élu, c'est pas structure, c'est yo. Voilà, il y a deux bagages qui fait ça. Premier c'est l'amour du chiffre. Tout parti a besoin de faire chiffre. Par exemple, grand question financement là, bon ça pour les partis qui vont participer aux élections, c'est en fonction de quantité élu qu'on gagne au bokob. OK. Prochaine élection, on met à attendre que le bral gon
incidence sur l'élection parce que chaque parti au cas d'être pour nous le maximum d'élus possible. Ça vient faire qui ça? Ça vient faire partie au pas prendre temps pour construire lui. M'rivé deuxième circonscription là où dit c'est Sergino populaire. Me fait toute stratagème possible pour me prendre Sergino, mais Sergino était conçu popularité déjà. Là Sergino finit lui sénateur ou député en bas parti là. Ou pensez Sergino pral dit c'est moi qui fais le député, mais si Sergino c'est un membre du parti qui non espace géographique donné. Nous ouais leadership là, nous ouais instinct et d'émergence là, nous bal support, nous père nous endoctriner monsieur militer dans parti et puis 5 10 ans après monsieur vin chef moi pas dit que li automatique la prête attaché non mais ou gen plus garantie que 6 mois avant ou tu connais gen pouvoir l'en babane c'est normal que nèg la pas gen attachement à parti politique et c'est ça que fait me dire c'est une décision très difficile jodi a remarque tu pas aucun problème pour nous la prochaine ça pas déranger nous dans rien nous voyons 10 nous gen 5 mais nous connaissons 5 députés qui dans parlement quelque part yo pral font travail qui semblait avec nous comme parti politique et m'a tout du tout 5 députés 10 députés c'est beaucoup de pouvoir qui a connu les députés qui élu sous bannière et le même rapport les députés restent toujours en contact avec nous sur certains sujets au contact des partis nous même certaines fois par exemple sur la question du budget rectificatif on les a convoqués dans une réunion officielle parce que nous besoin nous même faire des propositions proactives à l'exécutif pour le budget rectificatif nous convoquer les députés nous mais tant que toute l'autre partie c'est pas toujours député a pas obligé par exemple pral bon vote dans chambre député a député a pas prélé parti a pour dire et qui voter parce que c'est j'aime dou là depuis nous pas qui pratique ça mais dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans si nous l'OPL de pratique ça oui à un certain moment mais on dit OPL c'est 26 ans aujourd'hui donc 26 ans veut dire plus ou moins il y a tant de construction dans ces deux leaders et Haïti nous même nous voulons tout dans 10 ans par exemple il y a deux monde qui dit il y a 10 ans de militants dans parti ça c'est que ça vient député li pas un joueur que me d'acheter c'est député Remé Haïti et c'est membre à part entière Remé Haïti donc l'a défendre les valeurs de Remé Haïti mais tout temps exemple parti politique a créé année ça Sergino il y a 20 députés en bas député Lyoé comment on fait député là dans qui pays parti politique non, loi électorale la clé. Nous faisons confusion entre ce que dit une loi et ce que la réalité dit. Oui, loi dit mandat pour, mais ou pas qu'à créer aujourd'hui dans l'élection 2019 ou 30 députés. C'est parce que tu es un cob ou bien parce que tu es dans le pouvoir. 30 députés, ça a été ouais, ou bien 30 nègres ou bien 30 femmes, ça a été ouais, que ou bien avantage ou bien l'argent, ou bien en bord, mais ou bien un ancrage, un attachement idéologique à vous. Et n'importe le pouvoir sur Tchambral, par exemple, ou son génito, son l'espoir. Ou son GPHTK, c'est même député ça qui gagne 2-3 mandats, oui, qui soutient dans l'unité, qui vient dans l'espoir, qui vient dans PHTK. Et peut-être, on ne sait pas, en 2019, qui prend l'autre parti politique, c'est le même leader. Donc, ce n'est pas parti politique qui fait de député ça au leader. Il y a un leader dans la zone, mais il y a cherché, on assise, on ancrage économique, on backup politique, et puis on fait allégeance à un nouveau parti qui crée, qui gagne bah, ça. Et bien, mes amis, là, bon résultat, là, bon là. Comment comprendre qu'un parti politique dans la chambre député a 519 monde, il y a 15-16 députés, parti politique ça va influencer un rien. Remé Haïti dit tête si nous venons 10 députés, faut nous faire influence en bas. C'est là que nous aller et ça doit prendre du temps. Comment nous ne pas avoir pouvoir? Et nous sommes dans une opposition parce que nous pas dans le pouvoir, mais nous parlons rachement et je m'a toujours dit, je dis à nous sommes nous relais opposition, non opposition proactive. C'est ça que fait avant budget poser problème. Nous prenons le gouvernement clairement la position de Remé Haïti sur les méthodologies, la façon d'élaborer un budget rectificatif, de l'adapter au mieux à la réalité pour éviter tout clash. On a écrit au ministère des Finances, on a écrit au président des deux chambres, on a écrit à des experts dans le budget pour venir nous des notions techniques pour que nous capables d'articuler les propositions. Pour en septembre, il y a un problème pour Remé Haïti par une non-dynamique improvisation, nous plus ou moins apagis. Et de manière très proactive par rapport à notre position et d'opposition. Il y a une question d'état général sectoriel là qui lance, comité pilotage là, l'état de commencer le travail, secrétaire technique là tout, au niveau de MIT, comment on comprend la démarche là? Ok, et pour la question des états généraux, l'idée en soi est bienvenue. Et d'ailleurs, ce n'est pas une innovation de quiconque, c'est une urgence. Pays ça a tellement clivage extrême gauche pas vu extrême droite nek sa président du même pas j'aime pas la intel parce que intel te font attaque et nous elle ancien premier ministre Jacques Edouard Alexis dit moi même pas dans ce qui veut chéri monsieur te fait famille etc. Donc les clivages sont plus profonds que n'a pas imaginé donc il faut des états généraux donc faut que tes gens qui initient et m'songe me devine là me dit oui faut gon chita mais qui monde qui pour initier c'est le président de la République parce que c'est lui jodi a que peuple a ba mandat mais malheureusement soit pas connaît pas qu'a dit pour qui ça mais ou gen comme impression gen de paramètres que
exécutif là, m'a le dit président pas saisi. Premièrement, dans choix figure. Tellement choix figure pas analysé au pays fin, ou au choisi de monde, moun nan dit nous pas de contact, nous pas de gagner aval moi. Yo choisi de moun et qui quitte, yo choisi de moun qu'on y a qui entre ou ap goumen. D'ailleurs, j'ai l'impression moun yo pa même comprendre ça qui est agené ou. Parce que l'état agené ou veut dire monter en l'air, prendre la hauteur. En dimension ça. Nelson Mandela sorti en prison, monsieur vin président, monsieur composé avec nèg qui était contribué pour mettre en prison yo. Le cas du pourquoi pas gagner plus Nelson Mandela tout le monde là. Oui, c'est difficile. Nelson Mandela son cas, ou je donc peut-être chaque 2-3 siècles. Maintenant mais nous pas capable de faire état généraux et puis pour m'arriver dans un comité de pilotage et puis moi Sergino et puis Sergino qui était un problème politique avec moi nous te font attaque personnelle à un certain moment même dit non même pas dans état généraux à cause monsieur mais trouver bah là nous ne pas comprendre dynamique là et ça son premier constat. Deuxième réserve ou bien deuxième inquiétude de Haïti, si nous pas veut perdre 6 mois encore, est-ce que 6 mois suffisant pour que un comité de pilotage il fait travail que au mandel là. Deuxième l'autre inquiétude, troisième inquiétude, les acteurs, pourquoi c'est toujours les mêmes personnes? Où sont les idées neuves? Où sont les nouvelles têtes de ce pays? Quand il y a des gens qui ont des compétences extraordinaires dans la diaspora, que je connais 2-3 doctorats, qui ont des compétences, comme c'est parce qu'ils vivent l'autre bord, ils n'ont pas qu'à un comité de pilotage états-généraux pour porter idée ou compréhension de ce que ça veut dire états-généraux. Vous dites alors, pas c'est facile pour mettre ici ensemble, vous faites ça à tout? Pour mettre ici, pour faire ça? Oui, c'est facile pour venir nous, nous ressourcer, pour contacter nous. Pour nous convenir. Pour nous là. Jusqu'à présent, c'est peut-être les inconvénients par rapport à des démarche là. L'autre inquiétude. On choisit deux moun là, lui dit m'a chita ça. Voilà. Voilà, ça veut dire moun moun yo choisi. J'ai l'impression bon discussion pas fa moun nan. Moi même je dis ça comme jeune garçon, pensez yo t'a bien choisi dans état genou comme si pas bon moun qui dit mon cher Josh mais ça état genou a vle dit mais pour qui ça, mais pour qui ça, mais pour qui ça. Mais pour ça nous choisi ou yo pas ka choisi on parce que ancien premier ministre tout court. Vous choisissez parce que vous avez une capacité pour transcender, ou un recul suffisant pour analyser la réalité, etc. Mais comment c'est le premier ministre qui a l'expérience que vous avez dans l'État? Il a l'expérience, mais malheureusement, c'est vous avez l'impression que vous ne pas comprendre. Il y a un ensemble d'acteurs politiques aujourd'hui dans ce pays qui ne comprennent pas la nécessité de mettre tout le monde ensemble. Remarquez ce qu'on dit tout le monde là-dedans. Et autant que nous pas d'accord fait ça, le pays après aller dans nous, la jeunesse est en train de fuir Haïti à tous les niveaux, par quel que soit le moyen. Je dis, cette histoire d'État généraux, ce comité ou bien cet État généraux en tant que tel, qui va l'approprier parce que la majorité n'est pas représentée. Donc sa société va approprier. Oui, parce que la majorité n'est pas représentée. Sans les majorités. Mais la jeunesse par exemple, la jeunesse n'est pas représentée. Qui s'accroche? Parce que l'ordre des États-Généraux nous va aboutir à un amendement constitutionnel que nous relais en constitution qui vient de bas nouveau nous mettre là-dedans, ou bien à s'en un poc de gouvernabilité que toute communauté a doit d'accord sur lui. Mais si d'entrée je gagne de majorité qui estime que bah ça pas fait par eux. Prétend de s'en prendre dans la rue, ouais, mon monsieur état généraux. Donc, l'idée est très bonne. Mais n'oblige faire la donne. N'oblige. Voilà, c'est la méthodologie. Et moi-même, c'est ça m'a dit spécialement. Mais ça, c'est pilotage. Et c'est ça m'a dit spécialement à l'exécutif. Faut qu'un pile, faut que vous mettez un pile doigté pour faire ça par mon nez. Ou bien, il y a deux monde qui quittent le comité à la base. Donc, vous affectez la crédibilité. Mais c'est à deux, il y a un halte là qui fait. Pour que l'exécutif la dit, ça qui passe là, et pas nous faire état, et puis il y a deux petits, il y a un équipe qui a passé, en nous ajuster, boulon. Mais j'ai l'impression que nous voulons aller comme ça. Même deux membres du comité de pilotage qui disent à un monde qui a sorti, le comité va continuer à travailler. Il n'est pas possible. Ça fait ça. Je ne sais pas si je suis un journaliste. Il est dit que Mme Duvier n'a participé à aucune réunion. Il m'a dit, il est oui. M'attendez le réagir. Ok, m'attendez de monde qui dit de espace. Il a parlé, il a fait une note. Il va recevoir aucune note. L'ancien premier ministre Jacques-Édouard Alexis officiellement dit le baladen. Non, il dit baladen pour qui ça? Eh bien voilà, mais le baladen. Il n'a pas retiré Yvel Chéri. Le professeur Claude Moïse dit non. Comme si Mounsa n'a pas de bon bagage, il a porté dans l'étage dans le comité. Qu'on y a ou juste décidé ou pas là et puis n'a pas avancé. Non, mais pas seulement capoté le tout. Oui, mais ne serait-ce que. Est-ce qu'on avait retenu tout le monde? Pas retenu, mais remplacé ou par exemple. Ok. Au moins remplacé ou pour remplacer ou, ça m'a dit 24 à 48 heures de brainstorming, de discussion. Mais on n'aime pas avec quelqu'un comité.
Je dis ça te prend temps pour que la consultation soit faite pour arriver à choisir ça autour. Oui, mais pas parce que ça te prend temps pour que la consultation soit faite pour arriver à aboutir à choix. Pas oublier nous dans l'État général. Nous ne pouvons pas passer en dehors élection. Nous ne pouvons pas passer en dehors et budget national. Nous avons un temps où budget dans un an. Mais nous ne pouvons pas passer à côté de l'État général. Ça vous fait pas arriver, Sergino. Allez-y. État général, ça soumet des propositions à président et puis il n'est pas bon. Nous foutons. Moi, c'est inquiétude, moi, ça. Ça veut dire pour comité ça, dit président, mais. Et puis, président, il dit président, oh, il y a un là. Il y a un fou, il y a un. Et puis, pour que l'exécutif l'a dit, proposition ça, soit elle va d'accord ou autre, qu'on a côté de Mbrale. Ça, nous allons le faire. Nous allons faire tabou la rasa. Moi-même, moi, pense que l'État général, c'est la dernière carte à jouer pour que nous soyons capables de mettre la classe politique ça face à la réalité pour que nous prenions conscience que nous avons un pays là qui finit déjà. Parce que, je dis, le président l'a dit dans. Comme on appelle ça, la remise des parchemins aux différents commissaires. Exact. Il dit aucun sujet n'est tabou. Ouais. Aucun sujet n'est tabou, à son phrase française. Qui sujet, oui? Je dis, en tant que parti politique, il faut au moins commencer commencé à recevoir des communications de l'État général. Pour dire, voilà les sujets qui ne sont pas tabou. Non, mais faut attention, c'est sûr que je passe une semaine ça. Comité pilotage là, mais c'est accordé. C'est 6 mois, oui, Sergino. Ou pas, c'est 33 petits. C'est 6 mois. Le parce que moi-même, mais qui ça me comprend de l'État général? L'État général, c'est une dynamique qui permet que le paysan de tout Fort-Ban, le paysan de Cercle à la source, il dit finalement, ça n'y a pas là, ça ne fait pas, même si on ne peut pas contacter. Nous connaissons ça fait à travers les secteurs, à travers les couloirs. Mais je dis, j'ai comme impression, là, on prend 23 personnes qui, tout domicile, c'est Port-au-Prince. Je ne suis pas d'accord ça du tout. Mais il n'y a pas forcément fait Port-au-Prince. Ok, mais dans l'aller. Vous prenez l'aller dans des banques de données, vous prenez deux propositions que vous faites déjà et puis vous faites compilation. Pourquoi vous êtes obligé de dire ça? Qui l'a bien temps pour courir tout le pays? Non, mais c'est un état de méthodologie. Non, parce que, et l'autre bagage, 23 personnes n'ont pas qu'à courir. Demain matin, je suis supposé pour mon état général qui promet moi, il va avoir des détails sur la méthodologie. Moi, je souhaite ça. Et je dis que jusqu'à présent, je connais moi-même que il y a 31 secteurs qui sont identifiés. 31 secteurs avec lesquels le comité de pilotage a pris contact pour regarder le sujet, la gouvernance. Parce que l'on dit aucun sujet n'est tabou, même la question de l'armée, la question du CEP permanent, la question de la Cour constitutionnelle, la question de l'amendement de la Constitution. Ouais. Pour moi, ça, l'on dit. Éducation, éducation le système éducatif, la santé. Oui. L'on dit aucun sujet n'est tabou, ça, il y a une question avec le président de Guintamete. C'est là l'inquiétude, moi. Qu'on a inquiété monsieur dans le travail. Voilà. Et mais en tant que responsable politique, je dis mes inquiétudes à ce que tout le monde soit conscient que. Qu'est-ce qu'il a fait pour que, j'en dis, hein, nous ne rations pas ça. Nous ne pas rater l'État général ça, pour que l'aide nous finalement dit bon, mais ça ne voulait pas payer ça. Dans 25 ans qu'on a venu là, au moins on a dit nous avons Haïti qui fait bon pour nous. Qui est différent de ça, nous avons là. Il y a 2 à 3 bagages pour nous faire. Premier bagage, il faut qu'on dépassement de tout le monde. Il faut que le président, et je ne vais pas mettre en doute la sincérité du président, il faut que le président, sur tous ses entourages, je suis d'accord que le président dit qu'il y a un intérêt gourmet pour sa président, dit, c'est lui qui fait. Le président dit qu'aucun sujet n'est tabou, il ne faut pas qu'il y ait un sujet là que nous sommes d'accord qu'il y a arrêté. Je vais prendre un exemple simple à vous, Sergio. Si par exemple, et dans les propositions des États généraux, après consultation de la majorité ou de la population, les États généraux a dit, le président. Secteur où d'une journée, n'a fond campé sous l'armée, n'a pas renforcé la police rapide. L'armée n'a implémenté le mais nous pourquoi mobiliser les gens nous bras aller à la commence à faire recrutement et autres. Mais non, là on a faut faire une bonne constitution. Eh ben voilà. Ma fait de simulation. Oui. Parce que me dédoute ou non état général. Mais on a tout faut pas venir avec préjugés tout avec préjugés. Non, pas venir avec. D'ailleurs, me déparler tout à l'heure du amendement constitution. Maintenant, l'amendement constitution. Est-ce que qu'on y a l'œil du président mais qui régime bon aller on pour exemple simple. Et état général abouti au dit bon président après tout ça nous constater et pour les prochaines élections c'est un président et un vice-président qui doivent faire campagne. Ça doit clair dans feuille de route là pour que moi même comme parti politique me réfléchisse sur lui. Non mais ça c'est comité pilotage le président déjà dit le, pas gain sujet tabou. Eh ben il faut que comité ça mette la l'œuvre. Et ça mais donc là qui sont ça nous faire. Pour que nous ne perdions pas du temps. Premièrement, il faut que le comité ne procrastine pas. Il faut que le comité connaisse, je dis, les partis politiques, mes amis. Partis politiques, moi-même, comme moi, j'ai un rapport avec différents mondes à différents niveaux, mais le comité pilotage n'a pas même pris en fond pour mes communications à partis politiques. Mais pourquoi?
OK, mais nous avons 3 semaines, nous parlons sur 3e semaine là, 6 mois. Donc c'est ça mes inquiétudes. Pour nous capables pas rater l'état génois, il faut le dépassement de tout le monde. Mm-hmm. Et c'est à cela que moi-même, je suis d'accord du tout à M. Jacques-Edouard Alexis. Il n'est pas supposé quitter le comité. Et M. Claude Moïse a toujours quitté, mais il n'avait pas intérêt à faire un clash avec dans l'année pour dire que je ne veux pas faire partie du comité parce que je ne vous ai pas donné mon assentiment. Bref, c'est bien on est capable de dire bon là il parle, il est jeune, il comprend. Mais pour moi-même, puisque nous d'accord que Gombaï là pour nous sauver, nous t'es qu'à éviter que nous entacher comité ça dans équipe détail pour moi qui pas intéressant. Et troisième bagaille qui pour faire, c'est la volonté de tous les acteurs. Faut que mon groupe nèg là qui d'accord faut camper sous question tabou la raza. Je dis à pays y a pas un problème pour le président Jovenel aller. Et moi dis parce que si c'est médecin que président pas d'accord qu'un nèg vienne dire là après un an et demi faut président Jovenel faut président Saint aller parce que c'est le problème. Le président Jovenel c'est pas vous et là le problème. Donc faut moun sa k'a parler aussi des acteurs à part entière. Ou pensez si nèg sa ou pas conscient faut camper sous ça, yo même encore va contester l'état généraux. Bon, donc faut dans l'état généraux tout. Et faut la donne. Donc moi mande vraiment un dépassement de tout le monde dans le pays ça, c'est un bateau qui est au bord du naufrage et tout le monde entre dans le bateau, nous avons un seul choix. Est-ce que nous d'accord bateau à payer à nous tout ou bien est-ce que nous d'accord mettre tête nous ensemble pour nous sauver bateau? Est-ce pas un vœu pieux? Et il n'y a pas un vœu pieux parce que autant que gen moun dans le pays, il y a une chance pour nous sortir. Parce que moi convaincu sur ça. Ou on dit le map quoi que Haïti pas qu'à fond pas en plus, le va gen moun là-dedans du tout. Autant que gen moun, autant que gen Sergino, gen mon paquet l'autre bon monde, n'a toujours gen de belles idées. Et chaque fois nous parler comme ça, un groupe qui était découragé, qui dit quête, monsieur Tomba là, gen là, ça vaut la peine. C'est ça nous besoin. Nous besoin plus de monde qui a parlé intérêt pays, qui mettait en avant l'intérêt du pays. Et à ce moment de la durée, nous avons privé une masse critique là. Nous avons privé créer effet domino. Et la vie nous tant qu'on on bagaille qui est naturel. Tout le monde commence à comprendre la dynamique de participer dans et les activités qui priorisent et l'intérêt de la majorité. Et c'est à ce moment de chance pour nous sauver le pays. Ça, parce que tout est au rouge. Toutes les conditions sont réunies pour gagner un éclatement social. Soit qu'il y a passé Grand-Ravine, qu'il y a passé Cité de Dieu. C'est des symptômes d'une maladie chronique que nous refusons de traiter. Nous avons une maladie chronique, là, mais chaque fois, fièvre la vie, nous ne pas assez d'amour, mais nous ne parlons pas de signes de maladie. Nous ne parlons pas de base d'éthiologie de maladie. Et les maladies chroniques, malheureusement, après 6 mois, nous avons un symptôme. Les gens ont des symptômes qui sont beaucoup plus graves. C'est ça qu'on va regarder là. Il y a de cela peut-être 15 ans, ou pas bien de nèg qui te prend zam comme ça, mais peut-être dans 5 ans, quoi, bien pire. Dans 10 ans, quoi, si nous ne faisons rien, nous avons des symptômes qui sont plus graves que ça. Donc on est parti pour dire que tout est capable, et par rapport à la réalité, ça, on fait des propositions, hein. 10 pays. Mais c'est ça, m'dou, oui. Nous même, fait, nous si, même... si c'est nous qui sommes là, comment t'as bien. Voilà, et bien voilà, c'est ça, m'dou, je dis, malheureusement, et un peu le monde pense que leur procédé comme ça sont 4 blanches ou bas et président. Nous même, nous pouvons le procéder dans le jour. Dans paquet de sujets, la Constitution. Les états généraux, le budget rectificatif, parce que c'est le sujet actuel. Là, nous obligés. Ça, moi, qui est arrivé l'année passée, plusieurs ans, même du machine, nous ne pouvons pas accepter ça arriver. Nous avons dit président exécutif, mais, on va faire budget, mais tenir compte de ça. Tenir compte de secteur ça. Gain cobla. Comment on a fait pour aller chercher en tant que responsable des pouvoirs publics? Si on a exécuté ça passé, outre, on n'est pas responsable. Mais on va faire notre travail en tant que parti politique qui veut être proactif. Mais ce n'est pas tout. Il y a des gens mais Haïti, c'est parce que nèg sa ou ses amis Jovenel qui fait au conseil. Est-ce que nous sommes d'accord pour les élections vite? Non, il ne faut pas être ridicule. Nous allons dans l'élection, mais Haïti, nous n'étions pas mis les candidats les plus en vue. Nous mettons les moyens qu'il faut. On a perdu. Maintenant, on n'est pas d'accord qu'on a perdu. C'est votre choix, puisqu'on est en politique, rien en politique, et pas j'aime simple, je comprends. Eh bien, on avance. Donc, mais l'essentiel, c'est que faut conscient la plupart du parce temps. Que dit, parce que garantie que nouvelle équipe de pour pouvoir, c'est bon. Nous, fait que nous d'accord. La réalité, c'est quoi? Ou pensez que, en allez, c'est nous pensez que je dis, médecin d'accord perdre une élection parce que la nouvelle équipe qui va être en place pour le faciliter les pieds aujourd'hui, ou qu'on ait aimé à être dans le pouvoir. Qu'a confirmé ça avant? Non. Maintenant, je pense que faut pas sous-estimer M. Jean-Rizéen. Médecin pataka al fait ça et puis pour t'apprendre jodia un an et demi après et puis jodia remet Haïti donc c'est pas ça du tout en tant que parti politique nous tenons élection nous pas gagner élection hein? Nous pas de contester nous te dit nous pas contester nous perdu c'est ça nous dit oui enfin remaniement ou pas Haïti gagne oui il faut un remaniement parce que le gouvernement n'existe pas
et ça vient faire président essoufflé. Le président est en province tous les jeudis ou tous les vendredis, c'est pas possible. Le président a toujours là le gars dans travail, mais mes amis, faut gouvernement, faut ministre du président, ça a fait. Et pour le président, il y a suffisamment garanti que la fête. Parce que le président Jovenel, nous déjà eu son petit corps, le président n'a pas fait 5 ans chaque semaine après dans toute province à superviser le travail. Non? Et pour ne pas faire ça, il faut qu'il y ait un gouvernement qui suffisamment fait confiance et qui est suffisamment productif. Je dis à un conseil de ministre qui n'existe dans le gouvernement. Ça. Maintenant, je ne vais pas parler de remaniement pour permettre le secteur intégré. Non? Je toujours prendre précaution pour ne dire ça. On a gagné sauvé comme réserve. Je parle de remaniement pour que nous soyons capables de permettre, par exemple, au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Affaires sociales, au ministère de l'Intérieur, par exemple. Ministère ça, nous connaissons les ministères qui travaillent, ou sent-ils dans le souterrain. Je dis à nous pas sentir. Nous pas sentir. Et remaniement, ça, c'est pour un meilleur résultat. Maintenant, moi-même, je dis là, pour tout le monde, si remaniement, ça, c'est pour capable de faire certains amis un job. Et il va rapporter un 6 mois après, on aura le même résultat. Et c'est pour ça que nous avons invité les acteurs, le Parlement, et l'exécutif et d'autres acteurs qui parlent de pouvoir ça, pour faire des dépassements. Si en tant que secteur, on vous demande de proposer une personnalité, proposez un monde qui a suffisamment de compétences, qui a une capacité pour que lui bat le résultat dans le ministère. Là. Et c'est à cela que nous pensons le président Jovenel Moïse, là, capable plus ou moins de commencer à sentir. Et travail lié à bas résultat sous terre. Georges Jean-Baptiste Papraplo, c'est vice-président et parti Remet Haïti. C'est vous-même qui êtes avec nous matin dans l'émission Mise au Point. Merci à Pile, succès, longue vie à Remet Haïti. Merci Sergino, merci à tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Et m'a dit tout le monde, si vous ne faites pas de la politique, préparez-vous à payer les mauvaises conséquences. Médecins, infirmiers, agronomes, ingénieurs, chaque fois que vous faites politique, chaque fois que vous avez une décision que vous prenez en politique, là, vous avez un incident sous. Impliquez-vous d'une façon ou d'une autre, soit au niveau des partis, soit au niveau de certains secteurs organisés, de façon à influencer positivement les choses. Bon, on va être à faire campagne de chambre. C'est ça la politique. En tout cas, voilà. Merci à Pinte Kota parler avec vous. Je suis Jean-Baptiste. Merci à tout le monde qui t'a suivi. C'est en direct. Je vous souhaite une très bonne journée. Si c'est à vos diffusions. Bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.